Oh putain, tu m'as fait peur, Gilles. Oh, t'as vu qui est là-bas, Corti. Philippe Corti. Ah ouais. Je vais aller le voir pour lui proposer un scénario. Je reviens, Gilles. Salut Philippe. Comment ça va? Ça va, ouais. Moi c'est Claude Philippe. Claude Philippe. Oui, j'ai un scénario de folie à te proposer. Je te fais le pitch très rapidement. Hein. C'est un écrivain qui part en vacances. Il fait un accident à côté d'un chalet de campagne, tu sais, où il y a de la montagne, de la neige et tout. Et une vieille peau, tu vois, qui l'attrape, qui le kidnappe, qui l'attache au lit et qui lui oblige à écrire des livres. Super le truc. Et je cherche un peu de production, tu vois, il me faut 50 000 euros. Tu cherches un financement? Ouais. Moi, de l'argent, j'en mets pas trop dans ce genre de truc, mais si tu veux, je peux te filer le numéro d'une jeune actrice qui est pour un film sombre qui est très très bien. Anna Paulina, c'est une Anna Paulina. Vieille polonaise. Très bien. C'est quoi son numéro? 06. Oui. 50. Je suis à la Bourgrave. J'ai rendez-vous avec Anna Paulina. J'espère qu'il n'y a pas un autre producteur qui est passé pour lui proposer un autre rôle. Je pense pas. Le Cannes Palace, c'est là. Bah, c'est le moment. Gilles filme ça parce que c'est peut-être un moment à immortaliser. 32, c'est parfait. Gilles, souris. Claude Philippe. Wow. Bonjour. Bonjour. Je suis Claude Philippe, le produit. Vous êtes Anna, ça va? Anna, peu... Anna, l'actrice. Deux secondes. Ça va aller. Il faut que je m'allonge un petit instant. Ça va parce que je fais un peu... Il faut que je peux m'allonger un peu, ça vous dérange pas? Mmh. Je suis désolé, je sais pas ce qui m'arrive, Ça me fait pas ça souvent, faut pas que tu... Je m'allonge juste 2 minutes et après on va parler de tout ce que j'ai. Prends ton souffle et... Ça va? Oui, ça va, oui. Ça va mieux, oui. Je me sens partir. C'est simple, je me sens partir. J'ai l'impression que la lumière, elle m'attrape comme ça. Elle me dit, viens Claude, je vais venir à côté de toi et on va passer dans le vif du sujet. Ouh. Ça va mieux? Ça va beaucoup mieux. Je suis certain de t'avoir déjà vu quelque part. Je suis certain qu'on s'est déjà vu. Je suis certain. Tu n'étais pas au lycée Jean Bouin à Montreuil? Non? Non. Tu sais, avant de venir à Paris, j'ai eu beaucoup de problèmes. Je suis en plein divorce. Je suis pas bien. Je sais pas ce que j'ai. Je suis en train de faire une grosse déprime. Ma femme, elle me lâche. Enfin, je sais pas ce que je vais faire. T'es pas censé me proposer un scénario? Si, mais tu as déjà le rôle. Non mais c'est exactement ça, tu es exactement ce qu'il me faut. Mmh. Je vais bientôt t'appeler dans mon bureau, tu vas venir, je vais te faire signer un chèque, on va certainement partir un petit peu en Tunisie, je connais là-bas un petit club vacances, 3 étoiles, Look Voyage je crois. J'ai mal au dos là depuis tout à l'heure, parce que ce matin j'ai fait un peu d'alter, et depuis tu vois je... Attends. Mais je fais des arts martiaux, je voulais te montrer une clé de bras que je... Attends, tu vas reprendre tes esprits, moi je vais dans la salle de bain, je reviens. À tout à l'heure, Anna. Et qu'est-ce qui m'arrive? Elle me cache quelque chose, c'est obligé qu'elle me cache quelque chose. Elle peut pas être comme ça, c'est pas possible. Anna? Anna, qu'est-ce que c'est que ça? Anna, tu mènes une double vie là. Qu'est-ce que tu me fais, Anna? Je regarde les textos là. Anna, on joue pas avec la vie des gens comme ça, Anna. Quel texto tu regardes, toi? Tu peux pas me faire comme ça. Mais ça va pas dans ta tête. Allez, hop. Anna, tu vas faire une bêtise dans la salle de bain. Il faut qu'on ait une discussion. Tu vas prendre. Tu vas. Pourquoi? Tu réagis sur un coup de tête. Écoute, là, tu commences vraiment à me gaver. Au Anna, début, s'il tu me faisais un peu rigoler. Anna, bon, allez. Et embrasse-moi, moi, un peu. Anna, non? Mais t'es complètement barge. Anna! Allez. Anna, ça va pas se passer comme ça. Hein. J'ai des avocats, moi. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Il est pas comme ça d'habitude. Il est pas comme ça. Ça va, Claude? C'est des moments difficiles, Gilles. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Il est pas comme ça d'habitude. Anna, ouvre. Anna, je t'aime. On est mal parti sur des mauvais chevaux, Anna. Anna, je t'aime.
Je t'aime, merde! Ça va, Claude? Ça va, j'ai une, ça va. Putain, j'ai les yeux sur toi, là. C'est là que j'ai toi, tu vois, c'est à ce moment-là que tu dois être là. Tu dois plus penser à rien, tu dois être juste avec moi, putain de merde, putain. Je l'aimais, je voulais tout lui donner, je voulais tout lui donner, je voulais l'amener partout, tu vois. Je serais prêt à tout pour voir pour elle, putain, pourquoi elle m'a fait ça, pourquoi.